Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour un petit tutoriel et une présentation. Alors vous connaissez désormais la marque italienne Acelit qui propose des mods pour volant Thrustmaster, désormais Fanatec et Logitech. Et je voulais faire une petite update puisqu'ils m'ont envoyé un nouveau colis. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comment réaliser ceci, c'est-à-dire la nouvelle version du volant TGT avec un petit skin Porsche. Pas mal de nouveautés sont disponibles sur le site, on va les passer en revue. Je vous laisse évidemment toutes les infos dans la description si vous souhaitez déjà aller voir ce que propose Acelit. Pour nous, la question est très simple, comment passer du volant que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques semaines. Donc la vidéo est aussi disponible en description ainsi qu'en insert à l'outro de cette vidéo. Pour ma part, je les remercie puisqu'ils m'ont de nouveau fait plaisir avec ce nouveau mode qui est vraiment très sympa. Comment passer de votre volant de TGT à ceci? Eh bien la réponse dans ce tutoriel, c'est parti. Bon, avant de s'attaquer au gros du travail, un petit tour de ce que vous recevez lorsque vous commandez chez Acelit. Tout d'abord, une petite carte qui vous remercie de votre achat, surtout différentes options. Vous avez toujours un centre de volant en 3 dimensions qui vous est fourni, une plaque avec les différents logos, les réseaux sociaux et surtout de quoi nomenclaturer votre volant avec des boutons et des logos qui sont souvent noirs ou rouges. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, vous voyez l'autocollant rouge au milieu qu'on ne voit pas très bien, votre numéro, vous pouvez personnaliser aussi avec votre nom qui est disponible en plusieurs tailles. Bien sûr, tout ceci est payant, c'est des petites options, mais ça peut être fourni à la demande de chacune des commandes, donc n'hésitez pas lorsque vous passez votre order sur le site officiel. Alors, la plaque est évidemment fournie bien emballée dans du papier bulle. Voici à quoi ressemble actuellement mon TGT. Donc vous l'avez vu dans une vidéo précédente avec le numéro 91, les boutons, et on va d'abord s'attaquer à démonter ce volant, et surtout il faut prendre des clés hélicoïdales pour enlever les petits boutons. Vous voyez que j'ai modifié aussi ce volant avec des poignées qui ont été recouverts, puisque l'un des changements, ce sont ces poignées qui étaient en plastique 3D imprimé et qui n'étaient pas terribles au feeling. Et bien la nouveauté, ce sont ces grips. Alors si vous avez déjà opté pour un volant ayant les anciennes poignées en mode GT, vous pouvez les commander au prix de 20€, donc vous pouvez updater votre ancien volant sans devoir racheter une plaque complète. Au niveau des dimensions, elles sont sensiblement identiques, pas de retouches au niveau de la découpe, c'est un peu plus fin dans certains endroits. Deux choses aussi importantes, la plaque n'est désormais plus de couleur argentée, mais bien noire, et ça change beaucoup l'esthétique du volant et la finesse du produit. Pour l'avoir ensuite facilement monté et démonté, je vous invite à faire attention aussi à vos vis, puisque celles-ci s'usent facilement, c'est le problème, c'est pas fait pour de monter et démonter chez Thrustmaster. Je ne sais pas pour Fanatec ou Logitech, mais en tout cas chez Thrustmaster, c'est compliqué. Donc on va éviter de répéter trop souvent la manœuvre sans changer ses têtes de petites vis. Alors il faut enlever tout d'abord les vis qui sont sur les côtés, sur le dessous du volant. Ceci sépare une partie de la plaque. Alors je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire poser votre volant sur quelque chose de mou, un essuie ou un coussin, afin d'éviter de le griffer ou de l'abîmer, puisque la plaque est toujours parfaitement optionnel. Dans l'ancienne vidéo, vous avez aussi l'accès aux poignées qui sont recouvertes avec ce suédine que j'ai acheté, ce faux Alcantara sur eBay à un revendeur anglais douteux. Vous avez d'autres options qui sont aussi proposées par Acelit. Vous avez des petites updates qui sont possibles avec donc les autocollants, les boutons qui peuvent être changés sur les volants Fanatec, mais aussi le rubber band. Donc en gros, c'est comme de la bande à vélo que vous placez sur votre guidon de vélo. Et bien vous avez aussi la possibilité de la commander avec un kit de 2 qui peut vous permettre d'avoir un grip bien plus intéressant sur le volant. Personnellement, je suis pas trop fan de cette option parce qu'esthétiquement ça reste limité, mais c'est toujours mieux que les poignées de base qui glissent, surtout si vous pilotez avec des gants. Une fois qu'on a enlevé les vis qui sont en façade au nombre de 6, on va pouvoir retirer le volant, le moyeu GT Gran Turismo qui dévoile d'autres vis. Donc 4 vis à l'arrière qui séparent cette partie. Ensuite, eh bien, le moyeu proprement dit, attention à cette petite vis tout en haut, il ne faut pas l'oublier, et celle-ci est assez complexe à enlever, vous allez pouvoir vous fatiguer. Une fois que c'est fait, vous avez libéré votre plaque et on retrouve le moyeu du volant. Alors, pensez aussi à faire attention à vos boutons, il y a des détrompeurs, mais ça vous évite de vous perdre et de remettre les boutons au mauvais endroit, et s'il reste cliqué et appuyé, c'est assez embêtant. Donc, vérifiez bien que vos boutons X, carré, triangle et rond ainsi que votre croix directionnelle fonctionne. Regardez, même le bouton PlayStation, tout est parfaitement cliquable. Donc voilà, on a fait le plus dur, maintenant il faut remonter, on reprend l'étape inverse, on replace les vis au centre du volant, on replace le moyeu avec le GT, on prend soin de bien retourner le volant, et maintenant les 4 vis repassent à l'arrière. Donc remontage assez rapide, je vous fais tout ça en accéléré bien sûr puisque vous connaissez la procédure.
Une fois que c'est fait, le volant tient en une pièce. Maintenant, il faut le solidifier avec les deux vis qui se situent sur le bas et les quatre vis extérieures qui sont ici. Alors, je n'ai pas remis les deux autres vis. Vous allez dire, Maxou, il manque de vis. Mais oui, parce que je vais les peindre en rouge pour qu'elles s'associent un peu mieux aux couleurs Porsche. Alors bien sûr, vous avez votre nom et moi j'avais envie de le coller derrière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, quand on voit les caméras embarquées sur les monoplaces, on a souvent le nom du pilote, voire le numéro qui sont placés à l'arrière. Donc je n'ai pas mis le numéro 91, mais j'ai bien noté mon nom sur l'arrière du volant. Voilà, c'est une procédure qui vous prendra entre 5 et 10 minutes et qui est assez facile. Et voilà le résultat, plutôt convaincant, en tout cas bien mieux que ce qu'on avait eu lors du premier essai. Voilà qui conclut ce tutoriel, alors j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je suis ultra fan du skin Porsche qui va très très bien. Maintenant, j'attends de peut-être remaquiller mon TGT aux couleurs de la marque allemande. En tout cas, merci beaucoup à Andrea avec qui j'échange depuis quelques mois maintenant. So, thank you Andrea for this wheel and your partnership. Really nice to work with you. Donc ça, c'est le petit mot, évidemment, my Italian is so bad, so I can't speak Italian on this video. So, merci beaucoup à donc Andrea et Francesco qui travaillent sur ce mode et bien d'autres. Alors, j'aimerais vous proposer à l'avenir encore d'autres choses, on y travaille. Alors, vous voyez derrière moi d'autres volants, hein. Vous vous dites, mais où es-tu Maxou? Eh bien, vous me suivez sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter et vous allez avoir toutes les infos sur ce futur décor avec pas mal de nouveautés. On en reparle très très vite sur la chaîne, en tout cas d'ici la nouvelle année. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous rendre sur le site d'Acélite pour vous aussi peut-être modder votre TGT et regardez, vous avez même votre nom dessus. C'est trop bien. Allez, à la prochaine les amis. Amusez-vous bien, quel que soit votre jeu de course favori. Salut !